Salut à tous. Voilà, toujours dans ce contexte-là d'être un roi, c'est-à-dire de bien prendre les choses en main, de bien faire les choses, rendre votre femme épanouie et satisfaite sexuellement. Alors, pour ne pas dire une sorte de Viagra à la maison, donc vous redoublez encore d'énergie, vous faites plus que ce que vous pouvez faire de vous-même, que de pas, que d'aller acheter des aphrodisiaques et Viagra est consommé, vous pouvez fabriquer votre vegan à la maison naturellement, là où ça ne vous donnera pas d'inconvénients. C'est-à-dire, vous faites ça à la maison, c'est sans danger, sans rien et avec des ingrédients aussi que vous pouvez toujours avoir chez vous. Alors, pour cela, j'ai besoin de deux ingrédients. Vous aurez besoin de deux ingrédients: l'œuf, le miel. L'œuf et le miel pour ces deux ingrédients. Alors, je vais casser l'œuf, je le mets dans le verre et ensuite je vais vous montrer la suite. Et voilà, j'ai pris le blanc et le jaune d'œuf. Hein. Donc, j'ai pris les deux. Voilà, je vais maintenant prendre mon miel que je vais mettre. Ensuite, je vais mélanger le tout. Et voilà. C'est tout. Ensuite, vous consommez. Vous consommez cela, vous buvez. Quelque temps avant vos rapports sexuels, vous consommez cela. C'est pas un traitement du tout, contrairement par exemple à d'autres astuces que j'ai déjà fait à base d'oignons. C'est pas du tout un traitement, c'est juste un aphrodisiaque pour donner un peu plus d'endurance. Pour le traitement, il faudra prendre d'autres vidéos, il faudra faire d'autres vidéos que j'ai déjà postées où je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo-là. Entre-temps, ça. Pourquoi j'ai quel rôle le miel, pourquoi quel est le rôle du miel dans le sexe, sauf que le miel aide à atteindre l'orgasme, facilite l'orgasme. Qui dit orgasme dit plaisir extrême, communément appelé septième ciel. Merci beaucoup.